que la règle en photo animalière, c'est d'être toujours caché, d'être derrière, d'être effacé. Et pour moi, à chaque fois, les festivals, où c'est toujours un peu une épreuve. J'ai de plus en plus envie de mettre en avant la beauté de mes sujets, la beauté animale, que de montrer un peu les coulisses et de montrer un peu comment je photographie. Et je trouve que l'image animée, c'est pour ça que l'ours simplement sauvage, là, j'ai eu cette idée, c'était essayer par un film de toucher encore plus de monde, de montrer qu'il est possible de cohabiter avec les grands prédateurs et qu'il y a beaucoup de choses fausses les concernant, quoi. On peut éveiller, essayer de susciter un émerveillement aux gens, ils peuvent y aller et sans déranger. Pourquoi moi, j'aurais le droit et pas les autres? Et je pense que ça va être un problème à l'avenir. L'écotourisme, s'il est fait avec une certaine intelligence, ça peut être bénéfique. Donc c'est trouver le juste milieu, ouais, c'est pas évident.